Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons entamer ce soir notre première grande réunion qui concerne donc la démocratie participative, la vie citoyenne, c'est-à-dire le nouveau pacte citoyen marmandais. Alors qu'est-ce que ce nouveau pacte citoyen marmandais ? L'idée, c'est de donner corps aux relations entre les citoyens et la municipalité. L'idée, c'est que chacun se sente véritablement intégré dans sa ville, non pas seulement comme électeur, tous les 6 ans, mais également comme acteur. Alors c'est vrai que des tentatives avaient été menées par le passé, c'est vrai que des expériences ont réussi, ça et là, d'autres non. Et c'est vrai que ces expériences n'ont pas été, de mon point de vue, assez loin dans la démocratie, dans l'échange et dans la prise de responsabilité. C'est pour cela que nous avons imaginé ce nouveau pacte citoyen marmandais que nous allons vous proposer ce soir. Alors entendons-nous bien, ce soir, nous ne vous proposons pas un produit clé en main, fini, ficelé, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas du tout ça. Ce soir, ce sont des axes de travail, c'est l'enveloppe générale, et en fait, je dirais que tout est à faire encore. Ce soir, c'est le cadrage des situations, de la réflexion, et ensuite, il faudra sectoriser la ville, il faudra correctement définir le mode d'élection, même si on vous en propose un ce soir. Mais globalement, c'est avec vous que nous voulons prendre les décisions. Ce n'est pas quelque chose qui sera imposé à la population. Vous allez le voir dans le diaporama qui va suivre. Le projet est peut-être un peu complexe à comprendre tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il s'articule autour de 2 axes essentiels. Ça ne s'est jamais fait encore jusqu'à maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça a été mis en place ailleurs. C'est tout simplement la réflexion de ce qu'il y avait déjà à Marmande auparavant et de ce que nous voulions, nous, mettre en place. Et finalement, on a fait un mix de ces 2 situations qui aboutit donc au cadrage que nous vous proposons ce soir. Ce cadrage, donc, nous allons après, une fois qu'il sera terminé, le nourrir de votre réflexion, l'orienter, s'il faut le changer. Nous sommes ouverts à toute la discussion, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Simplement, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que notre volonté, c'est qu'il y ait, premièrement, de l'animation locale et, deuxièmement, de la prise de responsabilité de certains qui joueront le lien entre la municipalité et les structures locales. Voilà. Donc je vais laisser à Sylvie Delamarlière et à Monsieur Meurdrac, Monsieur Christopher Meurdrac, le soin de développer ce diaporama. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, les objectifs généraux, c'est le nouveau pacte citoyen qui a pour vocation de contribuer aux objectifs généraux suivants. Donner aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une ville toujours plus proche, démocratique et axée sur ses concitoyens, unis dans sa diversité culturelle et s'enrichissant de cette diversité, développant ainsi la citoyenneté marmandaise. Forger un sentiment d'identité de territoire fondé sur des valeurs, une histoire et une culture commune. Favoriser le sentiment d'appropriation et d'adhésion des citoyens marmandais à la gouvernance et au processus décisionnel. Alors il faut des objectifs spécifiques, bien sûr. Donc le nouveau pacte citoyen prévoit les objectifs spécifiques suivants. Rapprocher les individus des quartiers marmandais pour qu'ils partagent et échangent leur expérience, leur opinion et leurs valeurs. Tire des enseignements de ces expériences individuelles et œuvre à la construction collective de l'avenir de notre ville. Favoriser l'action, la gestion des besoins de proximité, l'intervention sur le lien social et intergénérationnel, et bien sûr l'animation de chaque quartier et de sa vie et de la ville. Rendre l'idée de municipalité plus tangible pour ses citoyens en promouvant la participation au processus de décision et d'organisation de la municipalité. Encourager l'interaction des citoyens et des organisations de la société civile de chaque quartier en contribuant au dialogue général au travers des assises de la démocratie municipale. Des objectifs mesurables.
Chaque année, les assises de la citoyenneté marmandaise feront le bilan de l'action précédente et établiront les axes de travail de l'année suivante. Un bilan qui s'appuiera sur des réalisations matérielles contractualisées entre la municipalité et le conseil de quartier, ainsi que sur l'évaluation des objectifs retenus en termes de lien social, intergénérationnel et civique. Un projet annuel qui devra prendre en compte et prioriser les besoins matériels du quartier et les objectifs citoyens. Une solution appropriée aux besoins. La double organisation prévue permet d'être soit représentant de quartier élu, ce qui veut dire s'impliquer au travers de la commission extra-municipale, dans le rôle de relais entre le conseil de quartier et le conseil municipal, ou conseil de quartier volontaire, pour garantir la souplesse nécessaire à l'adhésion naturelle de chacun au sein du conseil de quartier, en fonction de son temps libre, de son intérêt et de sa motivation. Une organisation réaliste, car elle s'appuie sur le respect du choix du mode d'engagement de chacun, pour une implication élective forte, pour une responsabilité basée sur l'engagement vis-à-vis de la population et pour la participation effective au choix des axes de réflexion généraux, l'occasion d'être représentant de quartier élu. Pour une participation informelle, basée sur le partage, la mise à disposition de soi et la variabilité, l'occasion aussi de participer au conseil de quartier. Alors il y aura un agenda de réflexion. Vous aurez le conseil municipal du 27 mai 2014, où on a fait le cadre et les grandes orientations. La réunion publique du 11 juin 2014, c'est aujourd'hui, dont on avait le recueil des premières impressions citoyennes. Il y aura une commission citoyenneté en juin 2014 pour la validation du projet. Et il y aura le conseil municipal, soit juillet, soit août 2014, pour l'adoption du projet. Alors en organisation, ça c'est un peu plus complexe, mais vous allez très rapidement comprendre. Une composition extra-municipale de la citoyenneté, qui sera présidée par le maire adjoint chargé de la citoyenneté, qui sera composée des élus de la commission citoyenneté, trois élus de chaque quartier et des représentants du service citoyenneté. Tout ça descendra et on aura des antennes de quartier qui permettant aux représentants de quartier qui seront élus en novembre 2014 d'échanger avec les conseillers de quartier, mais qui seront volontaires. Alors là, on arrive à la définition des secteurs. La sectorisation des quartiers sera précisée après concertation avec la population. Afin de permettre l'expression la plus large de la démocratie participative, il est proposé que les secteurs des conseils de quartier soient définis en concertation avec la population. Ainsi, plusieurs propositions de découpage mêlant à la fois les quartiers historiques, les secteurs scolaires ou les bureaux de vote pourront être soumis aux Marmandais. Proposition de déroulement. Alors de juin à août 2014, il y a une campagne d'information et le recueil des candidatures pour les représentants. En septembre, il y aura une parution des candidatures dans un journal municipal spécial, photos et résumé de leur motivation. En octobre, vous aurez des réunions publiques sur chaque quartier avec un temps de parole pour les candidats afin de présenter leurs objectifs. Et en novembre, les élections, puis la mise en place de la commission extra-municipale de la citoyenneté. Alors l'élection, il s'agira d'un scrutin à un seul tour, uninominal à la majorité simple. Pour être éligible ou pour voter, il conviendra d'avoir 18 ans, de résider à Marmande, justificatif de domicile. Le mandat sera renouvelable pour une durée de 2 ans. Et chaque année, au mois de novembre, auront lieu les assises de la citoyenneté, afin de faire un point sur l'avancée des choix opérés l'année précédente. Pour conclure, une architecture de la démocratie participative innovante en adéquation avec les aspirations de la population, une organisation dynamique qui permettra 3 renouvellements de représentants au cours de la mandature, le respect de l'engagement de chacun dans ses dimensions personnelles, le rythme, l'importance, les niveaux d'implication, une évaluation annuelle des engagements de chacun, et une variabilité des champs d'action, social, citoyen, urbanisme, animation. Alors maintenant, la parole est à vous. Si vous voulez poser des questions, je pense qu'il y en aura. Nous avons M.
Monsieur le maire qui peut répondre, Monsieur Dutheil aussi, éventuellement, moi aussi. Voilà. Voilà, globalement, est-ce que tout le monde a compris l'architecture que nous vous proposons ? Des conseils de quartier tels qu'ils étaient définis jusqu'à aujourd'hui, qui seraient doublés de 3 élus pour chaque quartier. Donc ceux qui ont envie d'être juste conseiller de quartier, qui ont envie de continuer l'expérience comme elle se déroulait jusqu'à aujourd'hui, ben, ils continueront de la même manière. Mais il y aura pour chaque quartier 3 personnes qui seront élues par la population, de manière à faire le lien entre le conseil de quartier et la municipalité, et qui surtout, chaque année, feront partie de la commission extra-municipale de la citoyenneté, donc des assises de la citoyenneté chaque année, pour évaluer le travail qui a été réalisé et prévoir les axes de travail de l'année suivante. Alors le but ultime, que nous ne pouvons pas mettre tout de suite en application, mais le but ultime, quel est-il ? Il est, dans les années qui viennent, le plus rapidement possible, essayer d'identifier correctement les sommes qui sont allouées pour chaque quartier en termes d'urbanisme, en termes de liens sociaux, et en fait, petit à petit, les faire gérer par les comités de quartier. Alors, ce n'est pas un chéquier qu'on va vous remettre, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous allons pouvoir, avec l'analyse budgétaire, une analyse budgétaire fine, savoir quelles sommes sont allouées chaque année pour chaque quartier. Et en fait, c'est vous qui allez dans les quartiers, au sein des comités de quartier, réfléchir pour savoir, avec la somme qui vous sera allouée, quelles sont les priorités que vous voulez voir aboutir. Donc il s'agit de transférer en fait le pouvoir de décision au plus proche du besoin et surtout au plus proche du sentiment de besoin. C'est-à-dire que c'est qui mieux que vous pouvez savoir dans tel quartier qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est l'éclairage, est-ce que c'est le trottoir, est-ce que c'est la route, est-ce que c'est une animation spécifique, etc. Voilà, le but il est là, le but ultime. Hein ? Et il y a des villes qui le font déjà depuis très longtemps. Et sachez qu'en termes, par exemple, en termes d'urbanisme, certaines villes, alors je ne vous dis pas qu'on arrivera à ce niveau-là, parce qu'il faudra beaucoup travailler pour y arriver, certaines villes permettent à leur conseil de quartier de prendre les décisions pour pratiquement 70% des budgets d'investissement, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu. Ça veut dire que prendre possession de cette citoyenneté pour chaque conseil de quartier, ça aura pour conséquence de voir tous les besoins en priorité, les besoins très prioritaires, de les voir concrétisés par les décisions de l'Assemblée communale. Voilà. Donc l'objectif est là. On ne le fera pas cette année parce que d'abord, il y a un cadrage à faire. Il y a toute une logique à mettre en place. Il y a des habitudes, il y a des élections à mettre en place. Mais dès qu'on arrivera, dès que tout sera bien cadré, bien acté, à ce moment-là, on commencera donc à transférer certaines décisions au comité de quartier. Les représentants des quartiers, donc, eux, les élus, seront le lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout, chaque année, ils vérifieront que ce qui aura été contractualisé entre la commune et chaque quartier a bien été correctement réalisé jusqu'au bout. Et surtout, ils permettront, lorsqu'il y a des dossiers qui intéressent l'ensemble de la commune, de fixer des caps, de fixer des axes de réflexion au niveau des conseils de quartier. Un exemple tout bête, vous savez qu'on parle depuis très longtemps des fêtes de Marmande et d'une cavalcade, eh bien, c'est justement l'occasion, à travers la commission extra-municipale de la citoyenneté, avec l'aide de ses représentants élus qui feront le lien avec les comités de quartier, eh bien, d'organiser une véritable animation sur tout le territoire de la commune et qui serait articulée dans chaque quartier. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple typique. Est-ce que vous avez des questions sur cette architecture ? Est-ce que certaines choses vous choquent ? Est-ce qu'il faut en changer certaines ? Quel est votre sentiment là-dessus ? On change tout en 2014. Alors, on ne l'a pas présenté encore. Mais bon, apparemment,
quartier historique Alors, non. En fait, on peut se baser sur beaucoup de choses. Ce sont des exemples. Mais c'est vous qui allez décider. Eh ben, je ne sais pas. Moi, à mon avis, il y a des quartiers qui sont historiques. Tivras, Bouillatz, Coussin, Madeleine, Beysac, tout ça sont des quartiers historiques bien identifiés par l'histoire. Donc, a priori, globalement, il faudra voir avec les habitants de ces quartiers-là, mais en s'appuyant sur les comités existants, que chaque comité réfléchisse et demande à la population si on continue sur ce régime-là. Je crois que les anciens villages qui composent la ville sont une bonne base de travail pour la périphérie. Reste ensuite le centre-ville et ce qu'on appelle la première couronne. Là, c'est beaucoup plus compliqué. La première couronne, il y a des secteurs bien identifiés. Pour les anciens Marmandais, ils connaissent bien le quartier du Béda, avec la municipalité libre du Béda. Ça a été une histoire avec les fêtes du quartier du Béda, où il fallait fermer la barrière pendant, je ne sais plus, c'était une semaine, je crois, plus personne ne pouvait passer. Donc le Béda peut être un quartier, il peut revivre, c'est une référence historique aussi. Il y a l'Olia, vous avez ensuite le quartier du Trek et de la Canole qui marche bien. Est-ce qu'il faut les relier au centre-ville ou pas? Bon, tout ça, il faut nous le dire. Hein, donc ça, c'est un découpage qui, déjà, à mon sens, est assez logique pour certains, et l'est beaucoup moins pour cette première couronne qui entoure les boulevards en fait et qui va jusqu'à la nouvelle rocade. Voilà. Là, c'est un peu plus difficile d'établir des règles, donc il faudra identifier à ce niveau-là des quartiers. Et je pense que ça pourrait être justement une réflexion là, dans le mois qui vient des comités existants, pour nous dire exactement comment ils souhaitent travailler à partir du mois de novembre. Voilà. Oui. Au-delà de l'organisation de chaque quartier, est-ce qu'il y aura néanmoins une cohérence et un fil conducteur sur la commune de Marmande? C'est-à-dire qu'au-delà des souhaits de chaque quartier, il faut quand même qu'il y ait une cohérence urbanistique, une voilà. cohérence, etc. Et ça, c'est aux élus aussi. D'où l'intérêt de la commission extra-municipale qui fixera le cap de réflexion. Hein, et qui, l'avantage de la commission extra-municipale, c'est que vous avez des élus, donc membres du conseil municipal, vous avez des agents communaux, et vous avez les élus représentants de quartier. Ce qui fait que cette commission extra-municipale, qui est une entité qui est reconnue par la commune, hein, puisqu'on peut en faire, il suffit de prendre un arrêté, enfin une décision en conseil municipal, cette commission extra-municipale aura un rôle officiel et fixera effectivement les grands axes de réflexion des conseils de quartier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Côté de la voie ferrée, oui. Je voulais demander, quand on passe sur le boulevard de la Liberté, qu'on va sur Beysac, il y a des découpes qui existent, mais certaines, je ne connais pas à qui il faut s'adresser en tant que représentant de quartier. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que c'est difficile. La première couronne est très difficile, voilà. À sectoriser. Bah, il faudra le faire, c'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant de voir avec les conseils existants, voir comment on peut le faire sur cette première couronne. Globalement, je pense qu'on peut faire entre 10 et 12 quartiers sur l'étendue de la ville. Hein? Ça va permettre de... moi, j'en voyais beaucoup moins au début. Et puis, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on veut faire d'un comité de quartier? En fait, quand on regarde les objectifs, c'est le lien social, c'est la décision de proximité, c'est beaucoup de choses qui tiennent à la promiscuité. Donc, aller faire un grand quartier pour traiter des problèmes proches, Ça n'avait pas de sens. Donc effectivement, je crois qu'il faut multiplier les conseils de quartier. Et d'après ce que j'ai pu voir, je crois qu'une douzaine de quartiers, on va s'orienter vers une douzaine de quartiers. Hein? Mais encore une fois, le découpage, il faudra... Autant il sera facile pour Coussin, pour Tivras, pour Madeleine, autant il sera difficile dans cette première couronne. Hein? Mais, et encore, on a la chance d'avoir des... Il y a quand même, vous avez l'Olia, vous avez le Béda, vous avez des quartiers qui ont déjà une petite histoire. Hein? Voilà.
Mais ça, il faudra y réfléchir à partir, très rapidement, à partir des conseils existants. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'aurais voulu connaître le lien entre les représentants élus et les conseillers de quartier bénévoles. S'il y avait un lien hiérarchique ? Alors non, il n'y a pas de lien hiérarchique. Le conseil de quartier bénévole, c'est celui qui existe aujourd'hui. Hein ? C'est-à-dire que ce ne sont pas des associations clairement identifiées, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de bureau. Ce sont des groupes de personnes qui ont envie de travailler ensemble, qui se connaissent et qui ont envie de travailler ensemble. Ça, c'est très bien comme ça et on ne change pas cet état d'esprit-là. En revanche, les représentants qui seront élus, eux, auront un rôle très important qui sera en fait défini par la commission extramunicipale de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils auront des directives de travail. Eux, ils seront soumis à la commission. Et ensuite, ils serviront d'intermédiaires. C'est-à-dire que, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront animer le travail local. S'ils sentent qu'ils peuvent être les locomotives, il faudra qu'ils animent. Mais si si le comité de quartier a déjà ses habitudes, son animation et sa motivation, il n'y a pas lieu qu'il fasse autre chose que le lien. Donc il n'y aura aucun rapport de hiérarchie entre les représentants et les comités, enfin à mon avis. Sauf si vous voulez qu'on en mette. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, une question ? Non. A priori, non. De toute façon, pour ce qui concerne les conseils générationnels resteront tels qu'ils sont définis aujourd'hui. Donc il y a déjà le conseil municipal en enfants, le conseil des jeunes et les anciens. Ça restera comme c'est aujourd'hui. Ceux-là, on n'y touche pas parce qu'ils ont... Vous savez, c'est comme une architecture qui est verticale. Ça, c'est très vertical. Les conseils générationnels sont transversaux. C'est pas du tout la même motivation ni la même manière de travailler. Oui, il y en a pas mal, oui. Oui, oui. Levez la main, les représentants de quartier. Voilà. Il y en a déjà beaucoup. C'est très bien. Ils sont là. Oui. Lorsque les conseillers de quartier, qu'ils soient bénévoles ou élus, feront remonter des demandes qui sont du ressort de VGA. Que se passera-t-il ? Ça sera transmis à VGA. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de sectorisation budgétaire, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas défini la décentralisation budgétaire, on peut l'appeler comme ça, ce sont juste des ordres qui seront donnés du conseil municipal pour effectuer les priorités qui seront définies donc par le conseil de quartier. Et pour ce qui concerne la part qui est sous la compétence de VGA, bien évidemment, c'est la mairie qui demandera en priorité à faire ces travaux-là. Voilà. Oui. Oui, je parle au nom du quartier Trek. Apparemment, dans le quartier Trek, sur 12 bénévoles, 6 ne sont pas tout à fait d'accord sur le principe. Donc je me pose la question de savoir si votre projet est viable. C'est-à-dire que, est-ce que vous ne craignez pas d'arriver à une échéance où il n'y aura pas suffisamment de candidats et que, ma foi, le projet, ben, il avorte et, ma foi, que ça soit un petit peu une déception générale. Je pense que c'est le risque, bien évidemment. Mais très honnêtement, dans ce système-là, et c'est d'ailleurs grâce à votre quartier qu'il a été modifié, chacun s'y retrouve, c'est-à-dire ceux qui veulent fonctionner sous l'ancienne forme continueront à fonctionner sous l'ancienne forme. Ils seront simplement sous la forme du comité de quartier. Oui. Alors, les villes...
Oh ben, je ne sais pas. De toute façon, s'il y a moins de 10% de votants, clairement, c'est un échec. Clairement. Les villes qui mettent ce genre d'élections populaires pour désigner des représentants de quartier en place, en général, elles ont entre 15 et 25% de votants, en général. Et, parce que les gens se sentent impliqués par ce genre de décision. Entre, supposons, 18 ans et 40 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'apparemment, on ne parle pas de quartier jeunesse, peut-être, enfin, je ne sais pas le bon terme, mais j'ai l'impression que nous sommes plutôt sur les 50-60 ans que sur les 20-30 ans. Je dis en moyenne. Hein, alors, les 20-30 ans, les 20-30 ans, quoi qu'il arrive, ne viendront jamais à ce genre de réunion. En grande majorité, quoi qu'il arrive. Parce que ils ont autre chose à faire. Hein ? Et c'est vrai que entre 20 et 30 ans, en campagne électorale, on le voit, quand on fait des réunions en direction des jeunes, bah, il faut aller sur leur terrain, il faut aller les voir chez eux, dans leurs habitudes. Ils ne viendront jamais en groupe comme ça, dans des réunions comme celle-ci. C'est comme ça. Bon, après, tous ceux qui viendront seront les bienvenus. Il y a quand même une communication à faire. Et effectivement, on la fera. Hein. Et on a regardé un petit peu les principaux vecteurs de communication, l'efficacité des vecteurs de communication sur une commune. Le premier vecteur de communication, c'est le journal municipal. C'est le premier. J'étais surpris de voir ça, hein, mais je pars sous le contrôle de M. Bozetti qui m'a montré cette étude. C'est le bulletin municipal. Donc c'est pour ça que nous tenons à ce qu'à un moment ou à un autre, ça passe par le bulletin municipal. En revanche, pour répondre donc à la deuxième partie de votre réunion, de votre question, pardon, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une déception au bout ? Non. Non, parce que on a senti quand même qu'il y avait une attente. Et même s'il y a beaucoup de gens qui nous ont questionnés là-dessus, je ne vois pas leur visage ici, donc tout le monde ne peut pas venir ce soir, mais il y a véritablement une attente d'une citoyenneté active, véritablement. Oui. Dans les conseils de quartier, il n'y a rien de pire que de se lancer dans une implication, enfin de s'impliquer honnêtement avec du temps qui est consacré à ça, au-delà de la famille, il faut prendre des réunions et voir que finalement tout est bien noté et il ne se passe rien. Ça, je pense que tous les conseillers de quartier qui l'ont vécu, et là, moi, je pense qu'il n'y a pas que des trentenaires, enfin, il n'y a pas que des gens de plus de 50 ans, il y a aussi des gens qui ont des enfants qui ont fait l'effort de venir et qui ont été, mais complètement, voilà, on avait l'impression de s'être fait avoir. Donc ça, moi, je serais très vigilante, si je m'y mets, à ce que ça ne se recommence pas. Il ne faut pas que ce soit un outil de com. Il faut que ce soit du concret. Et il faut surtout aussi, vraiment, que... Moi, le conseil de quartier, ce n'est pas juste demander à ce que la petite marche, elle soit relevée. C'est aussi avoir une vision globale d'une ville par rapport à ses voitures, par rapport à un trafic, il y a plein de choses. Il ne faut pas qu'on voit juste devant notre porte. Voilà. Il y a deux choses dans ce que vous dites, effectivement. Il ne faut pas voir devant sa porte oui et non, parce que justement, il faudra prioriser les besoins strictement locaux. Ça, c'est important, et j'y tiens, parce que personne de mieux que les habitants d'un quartier peuvent savoir ce qui est bon pour le quartier. En revanche, effectivement, l'avantage de ce double système, c'est que par le jeu des représentants élus, on pourra avoir des lignes directrices de réflexion sur l'ensemble de la commune, par exemple sur la transition énergétique, l'entretien des espaces naturels, etc. Donc tout ça, effectivement, ça permet de régler une grande partie de l'implication du citoyen dans sa commune. Alors, concernant la première partie de votre intervention, je ne fais pas partie, je pense, des élus qui se réveillent 6 mois avant une échéance. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. C'est essayer de mettre en place un outil qui permette à chacun de s'exprimer. Voilà. Et franchement, je pense qu'on va y arriver. Oui. Dans quel ordre se passera
les élections et le redécoupage des quartiers. Alors bien évidemment, le redécoupage avant. On va essayer de le faire le plus vite possible à partir des comités existants, de manière à améliorer en fait l'existant. Et les élections se passeront en novembre. Je crois qu'on les a prévues en novembre 2014, c'est ça? Voilà. Oui? D'accord. Oui. Il y a une question là-bas. Plutôt, à défaut de m'interroger tout seul, je vais m'interroger avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci d'avoir demandé combien il y avait de représentants d'élus de quartier. J'ai été surpris de voir qu'il y avait un grand nombre. Aussitôt, j'avais envie de savoir, puisqu'ils sont si nombreux, presque le tiers de la salle, quelle était la participation des citoyens aux différentes réunions. Je veux dire, sincèrement, je suis citoyen marmandais depuis 1987. Je n'ai jamais participé à aucune réunion. J'en assume l'entière responsabilité. Mais j'aurais aimé avoir un simple retour de la participation des citoyens aux différentes réunions qui étaient organisées. Monsieur le maire a bien commencé ses propos en disant « Très bien, on est sur un concept, une dimension nouvelle, mais on ne va pas tout oublier, on va essayer de concilier ce qui se faisait un peu avant. » Donc on est plutôt sur le plan méthodologique. Aviez-vous, mesdames et messieurs, les élus des quartiers, une bonne participation des citoyens à vos réunions et à la prise de décision? Si je peux avoir une réponse sans rendre le micro, ça m'intéresserait. Et après, j'aurai autre chose à dire. Je vous réponds que, par exemple, quand on faisait les réunions de quartier à l'école de Madeleine, il nous arrivait d'être entre 20, 30, 40 personnes, c'est suivant les soirées que l'on organisait ou que l'on faisait. Non, je ne veux pas dire les festivités ni rien. Quand nous avions, comme le projet de la place que nous avons fait à Madeleine, nous avons eu les réunions avant ce projet, et ben on se retrouvait tout le quartier de Madeleine et de Bouillasse. Quartier de la Gravette, aux premières réunions, nous avons été une dizaine, et après, personne ne suivait. Donc, les fêtes, on a organisé des fêtes. Les premières fêtes, on l'a fait conjointement avec l'école. Nous étions 400 et quelques, et nous sommes tombés au dernier repas de quartier de l'année dernière à une dizaine. Voilà. On refait passer le micro là-bas. Oui, merci, bonsoir. Oui, on disait tout à l'heure, monsieur Ludo, je crois, a dit effectivement les réunions auparavant étaient comment. Donc quelque part, c'est vrai que, on vient d'en parler avec monsieur Garcia, c'était des réunions à thème. Donc forcément, l'indicatif était différent. Mais ce soir, je trouve que c'est merveilleux d'avoir du monde comme ça qui est intéressé par son quartier. C'est là l'intérêt. L'intérêt, ce n'est pas de faire des réunions à thème, c'est l'intérêt déjà, c'est de se connaître et au moins d'éviter d'avoir des divisions trop importantes. Voilà, je trouve que c'est bien pour ce soir. On va finir là-bas, vous faites passer le micro là-bas, parce que je crois qu'il n'avait pas fini son propos, le monsieur. Oui. Merci, mademoiselle. Oui, mon interrogation est la suivante. Je disais, je suis marmandais depuis 87, je suis fier de l'être et je me définis en tant que citoyen marmandais. Ceci dit, le quartier que j'habite, pour moi, est un quartier résidentiel où je me repose après mon travail, mais je vis à Marmande. Je vis dans la ville de Marmande. Et à la rigueur, mes amis, ce n'est pas des gens de mon quartier. J'ai une bonne relation de voisinage avec les voisins immédiats, mais quand je rentre fatigué de mon travail, je me repose. J'ai aimé un concept sur l'urbanisme, sur le centre de ville, cœur de vie, il y a 3 semaines. Vous l'aviez dit plusieurs fois, monsieur le maire. J'en ai fait mien. Le flux d'eau, vous en avez parlé. Eh bien, j'ai envie que la citoyenneté soit aussi un flux d'eau aujourd'hui et qu'elle ne se raisonne pas en termes de quartier. Une petite commune comme la nôtre de 19 000 habitants doit rassembler ses citoyens autour de valeurs partagées, quitte même à ce que ces valeurs qui sont portés par les élus que vous êtes, et on est là pour ça,
soit quelque part décliné et partagé, d'abord pour la ville, mais en même temps décliné et partagé au niveau des quartiers. Parce que en dehors la conception de quartier aujourd'hui, en dehors des aménagements urbains, on va faire le tour. Mais par contre, il va y avoir des préoccupations autres. L'emploi, j'en cite pas. Il y en a énormément. Et ça, monsieur le maire, ce n'est pas uniquement votre responsabilité à vous. Vous allez avoir un engagement. Mais si vous parlez emploi, vous allez avoir besoin d'une compétence qui dépasse la compétence communale. Monsieur a parlé tout à l'heure de VGA. Donc l'idée, c'est d'aujourd'hui, j'adhère à votre nouveau concept et je voudrais qu'on reste dans la nouveauté et rompre avec les traditions anciennes parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Ça me paraît très difficile. Le partage quartier aujourd'hui ne me paraît pas, mais ça n'engage que moi, une belle entrée pour cette citoyenneté à laquelle j'ai adhéré et que vous défendez. Partageons des valeurs communes et qu'après la déclinaison se fasse. Et le mode électoral aujourd'hui d'y attaquer de suite, j'ai bien peur que même si on fait 3 électeurs, 3 élus, voire 4, 5, que ça soit loin d'être représentatif des citoyens qui habitent les quartiers, qui habitent la ville. Laissons les citoyens choisir eux-mêmes par le débat les gens qui pourront les représenter sur des thématiques fédératrices. C'était une observation parce que vous avez dit, monsieur le maire, que rien n'était figé. Alors, merci. Je comprends votre inquiétude et je pense qu'une partie de cette inquiétude peut être tout à fait rassurée par la simple existence de la commission extra-municipale sur la citoyenneté. Parce que justement, cette commission extra-municipale va intégrer tout ce qui est valeur partagée, tout ce qui est axe commun, tout ce qui est, j'entends les mots qui sont derrière, fraternité, etc. Tout ça sera véhiculé par, effectivement, cette commission extra-municipale. Pourquoi est-ce qu'il y a une sectorisation par quartier et pourquoi faut-il la maintenir ? Parce qu'il nous faut aussi traiter des problèmes quotidiens de voisinage. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette double architecture. Mais effectivement, quand vous regardez les objectifs spécifiques nos objectifs, en fait, au travers de cette commission extra-municipale, rapprocher les individus des quartiers marmandais pour qu'ils partagent et échangent les expériences, les opinions et les valeurs. C'est très important. Et tirer les enseignements de ces expériences individuelles pour œuvrer à la construction collective de l'avenir de notre ville. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut s'inscrire quand on a comme préoccupation la vôtre, c'est-à-dire d'avoir une citoyenneté orientée sur les valeurs, sur l'action collective. Effectivement, ce n'est pas dans les quartiers, c'est dans ce cadre-là. En revanche, lorsque nous avons d'autres problématiques, qui sont des problématiques plus matérielles, là, il faut rentrer dans la sectorisation des quartiers parce que, on le dit souvent, les élus, une fois qu'ils sont élus, sont tellement submergés de dossiers qu'ils en perdent le contact avec la réalité. C'est une vérité. Hein, et à tous les niveaux de la politique, on voit ça. Et quand on est isolé, entre guillemets, dans son château, parce qu'on entend la critique à tous les niveaux, effectivement, on ne se rend plus compte des problématiques particulières des gens. Et donc, justement, par ces conseils de quartier, cette sectorisation, on arrive à être rappelé un petit peu à la réalité des choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, il faut cette double architecture. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Malgré que vous fassiez des propositions qui sont bonnes et tout ça, c'est pas pour ça qu'ils vont se déplacer. Vous pouvez mettre des flyers, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne se déplacent pas quand même. Ils en entendent parler et puis c'est tout. Regardez pour l'autre soir qu'on a fait, on a quand même mis plus de 200 flyers et une quinzaine d'affiches. Et vous avez pu voir, on s'est retrouvé une cinquantaine. Et encore, après, il y en a qui sont arrivés après, bien après. Bon. Par contre, oui, je voulais vous parler, parce qu'avant, j'étais du côté de la Gravette, et on avait fait 4 commissions, c'est-à-dire ceux qui voulaient venir, venaient à ces commissions. C'est-à-dire qu'il y avait, la circulation, pour ça, il y avait l'assainissement, il y avait la fête et tout ça,
Et la convivialité, on avait fait. Et à la cinquième réunion, on se réunissait tous à la fois. Bon, et comme il y a eu le découpage, là, ça va faire 18 mois, et j'ai changé de quartier. Voilà. Et je suis avec justement le Trek. Et nous, on fait quand même pas mal de réunions entre nous-mêmes. Ça, pour pouvoir. Et on regarde tout. La preuve, vous avez pu voir quand même à l'école. Ça marche bien. Alors c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qu'il faut voir. Il y a surtout des choses qu'il faut garder, je suis d'accord avec vous. Pour répondre à votre intervention, je crois que les gens reviennent s'ils ont un intérêt à revenir. C'est-à-dire que si vous avez une organisation qui permette de réaliser ce qui est dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes entendu et les choses se font. Le lendemain, vous revenez. Il n'y a aucun problème avec ça, me semble-t-il. Je vais vous donner un exemple précis. La semaine dernière, en bureau municipal, nous avons eu à décider pour les réfections des routes pour toute l'année sur le territoire de la commune. Mais l'année prochaine, nous l'avons fait en bureau municipal. Mais que va-t-il se passer l'année prochaine ? Nous allons, puisque nous aurons l'information assez tôt, nous allons confier le dossier à tous les comités de quartier qui nous diront les priorités pour refaire les surfaces, les revêtements des rues dans leur quartier. Vous prioriserez tout cela, vous nous direz cette rue c'est la plus importante, il faut la faire avant celle-là, etc. On remontera ça à la commission extra-municipale de la citoyenneté et ensuite nous, en bureau municipal, nous pourrons décider et dire à VGA voilà toutes les priorités que nous voulons pour cette année. Faites-en le maximum. Et là, la décision sera prise en fonction de vos besoins. Et donc, je pense que vous reviendrez à la commission suivante. Oui. À ce sujet, monsieur le maire, il faudra bien que VGA et le département se mettent d'accord au sujet des routes. Parce que moi, sous l'ancien... Pourquoi? Parce que je vais vous citer un exemple tout simple. J'ai demandé, en tant que conseiller de quartier, à ce que l'on mette un abri de bus en sécurité. Le VGA s'est déplacé, l'a mis en sécurité, le département, deux jours après, a tout effacé et tout enlevé. Effectivement. Voilà, c'est là le gros problème sur Marmande. Alors, j'ai entendu parler de ce problème et effectivement, je suis allé dans les services de VGA pour demander comment ça pouvait se faire. Parce qu'il y avait certainement un dysfonctionnement qu'il fallait régler. Alors, la réponse qui m'a été donnée, c'est la suivante. Le service technique donc, qui s'occupe des transports, qui s'occupe de l'infrastructure des transports, et non pas des transports eux-mêmes, mais de l'infrastructure globale, a pris en charge l'environnement de cet arrêt de bus. C'était son rôle, c'était sa compétence. Mais il est allé peut-être un peu loin dans sa délégation, c'est-à-dire qu'il a effectivement mis en place un passage pour piétons. C'est ça ? Et en fait, lorsque le conseil général qui est détenteur de la compétence pour cette route s'en est aperçu, bah, il s'en est offusqué et il a enlevé le passage pour piétons. Voilà. On est exactement dans les aberrations du millefeuille administratif français. Voilà. Alors, ce qui était d'un côté un acte un peu trop positif de la part de VGA pour essayer de résoudre la situation et pour essayer d'apporter une réponse locale, s'est transformé en fait en un contract parce que le département, c'est sa gestion, c'est lui, il ne fallait pas marcher sur ses plates-bandes et donc il l'a enlevé. Voilà. Bon, ben ça, effectivement, il faudra qu'en amont, on monte un dossier correctement, qu'on le fasse passer au service compétent et que le service compétent fasse le tour de table pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Voilà. Bon, ben on le remettra en route, mais rassurez-vous, hein, dans quelques années, les routes vont être transférées à une autre compétence, hein, puisque le Conseil général va disparaître. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Tout le monde ne vous entend pas. Oui, je voulais parler parce que en face de chez, de mon côté, c'était une impasse. Hein. C'est quoi votre côté ? Il y a les voitures d'un côté. Moi, je sais où c'est, mais les gens ne savent bon, pas. Alors, ben, sur la route des Isères, d'un côté, il y a les voitures. De l'autre, ben, il y a un minime trottoir. Ça va faire bientôt 8 ou 9 mois que ce trottoir est cassé. Il n'est pas large, on ne peut pas imaginer. Il est cassé par les éboueurs.
et n'est toujours pas arrangé. Ça me gêne parce que c'est à la fois chez mon voisin et chez moi. Parce que nous sommes des maisons jumelles. Je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre tout de suite. C'est typiquement le genre de dossier qu'il faut faire porter par le conseil de quartier. Oui, mais à qui il faut s'adresser ? Il faudra vous adresser au conseil de quartier. Eh bien, je ne le connais pas. On ne le connaît pas. Non, mais ça va se faire très vite. Ah bon ? Très, très vite. Hein ? Parce qu'effectivement, l'information va être remontée et ça nous permettra de savoir comment intervenir dans chaque quartier et quel besoin y mettre. Parce que s'il faut qu'on intervienne à droite et à gauche, un peu partout, faire du saupoudrage, c'est, en termes de gestion, ce n'est pas très performant. Si on a l'information, savoir dans un quartier déterminé qu'est-ce qu'il faut faire, à ce moment-là, on peut intervenir plus lourdement. Ouais. Donc il y a plus une rationalisation des besoins qui peut être mise en place. Oui, parce que qui c'est qui s'occupe de ça, de service de voirie et tout ça ? Mais ça, c'est la commune, là. Hein. D'accord. Là, c'est la commune. Voilà. Ouais. Là, c'est la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Une question au fond, encore, là-bas. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bon, je suis élu de quartier sur la Gravette. Donc là, depuis, on va dire, quelques mois, il n'y a plus de commission. Quel va être le devenir jusqu'au 14 novembre de ces commissions ? Est-ce qu'elles vont être remises à jour ? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été commencées, qui ne sont pas aboutis pour l'instant. Et bon, il y aurait certaines choses aussi à soulever. Donc là, bon, la dame précédemment vient de parler d'un problème particulier. Quel est le moyen que les habitants de Morvan ont pour contacter les commissions, du moins les élus de quartier, de façon à pouvoir transmettre leurs doléances concernant leurs soucis? Alors justement, c'est très bien. C'est une question très pratique qui va me permettre d'expliquer le cheminement qu'on a imaginé. Tout d'abord, concernant la commission elle-même, ce que je souhaiterais, c'est que les anciennes commissions se réunissent là au mois de juin. On va essayer de contacter tout le monde très rapidement pour fixer en fait la sectorisation des quartiers. Ça, je crois que c'est quand même très important. Ensuite, lorsqu'il y a un problème concret, ce que nous allons faire est... nous allons attendre fin juillet maintenant, puisque vous savez que nous avons lancé un grand audit organisationnel sur les services communaux. Nous aurons le résultat de cet audit organisationnel fin juillet. Notre idée, c'est de mettre en place une équipe technique polyvalente d'urgence, c'est-à-dire un nombre de personnes à définir en fonction des besoins qu'il y aura, qui aura de multiples compétences et qui pourra intervenir directement et très rapidement lorsque des questions urgentes se posent. De manière à ce que vous avez, une fois que tout le système là sera mis en place, vous avez un problème dans un quartier, vous avertissez votre représentant élu qui avertit directement, il n'a même plus besoin de passer par nous, il avertit directement le service technique qui nous demande validation du travail et il effectue le travail. Et on espère mettre en place un système qui, dans les 24-48 heures, vous permettra d'avoir une réponse à votre problème. Voilà. Donc ça va être le bras armé un petit peu sur le plan technique de la citoyenneté sur le territoire de la commune. Voilà. Je voulais ajouter, la fréquence des commissions ultérieurement sera tous les mois Alors, La commission citoyenneté, il faudra qu'elle définisse elle-même son périmètre d'action et les moyens de travailler. Là, je ne peux pas vous le dire, moi, c'est l'adjoint de la citoyenneté avec la commission elle-même qui fixera ses propres règles. En revanche, dans les quartiers, chacun est libre. Alors là, si vous voulez faire une réunion par semaine, vous faites une réunion par semaine. Ça ne nous concerne pas après. Voilà. Il y avait une autre question ici ? Oui. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors conseiller de quartier de Coussan. Oui. Question qui fâche. Comment allez-vous départager les sommes allouées à chaque quartier ? Par l'expérience, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que pour l'année prochaine, on identifie dès le 1er janvier les sommes attribuées à chaque quartier. Ce qui fait que on va avoir sur la base de cet exercice en cours.
on saura déjà les sommes qui seront allouées à chaque quartier. Pour 2014, tout ce qu'on aura dépensé dans chaque quartier en termes d'urbanisme et d'autres choses. Ça ne fâche pas. Ça ne fâche pas. C'est-à-dire que ça nous permettra d'avoir une base de travail et cette base de travail sera ensuite allouée à chaque conseil de quartier. Voilà. Et donc les informations qui remonteront, à chaque fois qu'il y aura des travaux effectués, on fera des additions. Et puis quand vous aurez atteint votre quota, on dira stop, c'est fini. Voilà. On recommence l'année prochaine. Comme très peu de travaux sont effectués sur le quartier de Coussin, on risque fort de se retrouver avec pas beaucoup de sous. Ça dépend, non, ça dépend. Je crois qu'il faut, il y a quand même un minimum, effectivement. Il y aura un minimum, je crois qu'on va essayer de prendre en compte le nombre d'habitants. Il y aura certainement une échelle à mettre en place, à imaginer, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve à peu près. Il y aura une forme de péréquation, pour utiliser un mot très technique, qui nous permettra d'intervenir quand même un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, une ici et une là-bas au fond. Ah bon, on va commencer par le fond. Et après vous. Toujours dans l'ordre des interrogations que je me pose et que j'ai envie de partager avec vous, je reste un éternel idéaliste par rapport à l'avenir, en ce qui me concerne, j'ai deux enfants, l'avenir appartient à nos jeunes. Il appartient aux générations futures. La moyenne d'âge ce soir, je me considère quand même comme un jeune, même si j'ai 53 ans, mais ils sont peu représentés. Autant le législateur a prévu pour les élections officielles, la parité homme-femme, ainsi de suite. Moi, je pense à ces jeunes aujourd'hui. Vous prévoyez bien évidemment l'échange intergénérationnel. Je ne sais pas. Ils vont être entendus comment, le dialogue va être noué comment, le futur va être construit de quelle manière, est-ce qu'on va décider pour eux ou est-ce qu'on va décider avec eux. On sait qu'il y a des valeurs, moi j'y tiens beaucoup, à partager avec eux, il va falloir aussi qu'ils les partagent avec nous. Je ne suis pas en train de vous suggérer de mettre une représentation, je m'interroge sur la représentativité des conseils de quartier, des élus de quartier, avec tout le respect que je leur dois. On va avoir une frange de la population qui ne va pas s'exprimer dans ce chantier nouveau, monsieur le maire, je ne cesse de le dire, vous avez le mérite de l'ouvrir avec une nouveauté, mais il ne faut pas la perdre en vue, cette nouveauté-là. Voilà, on va se couper d'un pan de la population et qui peut-être n'acceptera pas qu'on décide pour elle, mais qui est tout à fait là et qui a envie aussi de participer. Donc, si on leur donne le moyen de venir, peut-être qu'ils viendront aussi y participer. Voilà, c'est tout. Je suis un rêveur, certainement, en disant ça. Non, ce n'est pas être un rêveur, c'est mettre le doigt là où, effectivement, se posent certains problèmes. Je pense que, pour ce qui concerne les jeunes, bon, déjà, il y a quand même un conseil des jeunes, hein, donc pour ceux qui veulent véritablement s'impliquer, il y a de quoi. Ensuite, ceux qui veulent s'impliquer de temps en temps, il y a le BIGE, qui est quand même un outil très intéressant. Je ne suis pas quand même certain que l'aspiration de la jeunesse, 20 à 30 ans, ça soit vraiment de rentrer dans des organes décisionnels, mis à part certains. Il y en a certains qui y pensent assez tôt. Mais je ne suis pas certain qu'à cet âge-là, on ait véritablement envie d'être décisionnaire. Je crois que les préoccupations sont autres et puis ça vient avec le temps. Et c'est légitime. Comme on dit, naturellement, il faut que jeunesse se passe. Bon, ben c'est comme ça. Tant mieux d'ailleurs. Alors, on va essayer d'être responsable pour eux, mais effectivement, tous ceux qui veulent participer, ils sont au contraire les bienvenus, hein, bien évidemment. Je crois que là, le problème de la jeunesse est un problème de la... Enfin, pas le problème de la jeunesse, le problème de la représentativité de la jeunesse, de la représentation de la jeunesse, est un problème, effectivement, qui est un problème de fond, qui est ancien, et à nous d'être suffisamment attractifs pour les aider. Alors, pour les intéresser, c'est un challenge, hein. C'est pas évident. S'il n'y en a qu'un, là, au bout du compte, ça sera déjà une victoire. Hein. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est très bien. Soit de façon sportive, soit de la façon qu'ils auront choisi, ça a toujours été refusé par les jeunes. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. Ici, il y a une question ici. Ici, là.
Vous allez beaucoup courir ce soir. D'accord. Alors, on va lui demander son avis. Bonsoir. Alors, apparemment, je fais partie des plus jeunes, donc je me permets de donner la parole. Merci. Donc, moi, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants. Je me suis inscrite en conseillère de quartier. Notamment, j'ai été un peu embêtée vers la fin parce que j'ai eu mon deuxième enfant. Grossesse difficile, tout ça, donc j'ai pas pu assister à toutes les réunions. Le peu que j'ai assisté, j'ai essayé de participer. Par exemple, nous, au quartier de Loulia, excusez-moi de le dire, il y a deux tranches d'âge. Il y a ceux de l'école, que des jeunes à peu près dans mes âges, et une partie de la population qui est plus vieillissante. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à intéresser les deux côtés. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui n'ont personne pour garder les enfants, que les gens ne peuvent pas se déplacer. Sans faire de reproche à mon quartier qui est très bien, les réunions sont à 18h. Pour des familles, ce n'est pas possible. Voilà. Deuxièmement, chez nous, dans le quartier de Loulia, à force, j'ai pris mes renseignements, les familles monoparentales, en plus, n'ont pas de véhicule. Donc la réunion est un peu plus loin, les bus ne passent pas le soir, donc les gens n'y vont pas. Donc c'est pas que y a de la mauvaise volonté, faut le dire quand même, c'est vrai, des jeunes, comme vous le dites, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais le peu qu'ils sont intéressés, il y a plusieurs barrières qui font que ce n'est pas possible. On ne peut pas s'investir plus que ça. Maintenant, moi, j'ai essayé. J'avoue que là, je vais être obligée de faire une pause pour m'occuper de ma famille. Quand je peux, je reprendrai. Mais à notre âge, peut-être qu'on ne peut pas tout faire en même temps. La carrière professionnelle, la famille et s'investir dans le quartier. Donc, je conçois que les conseillers de quartier en ont marre d'être les plus anciens. Mais nous, on court après le temps. Voilà. Donc, Oui, je suis d'accord. Vous mettez en fait le doigt sur tout le problème du bénévolat. Dans tous les secteurs d'ailleurs, hein, pas seulement dans le secteur citoyen, mais aussi dans le secteur associatif et sportif. Hein. On rencontre ce genre de problème partout. Et il faudra que chaque comité de quartier, chaque conseil de quartier, en fait, essaie de réfléchir à augmenter son audience. Hein, et augmenter son audience, ça veut dire se mettre à la portée des gens. Voilà. Donc il faudra y penser à ça et à le mettre dans les lignes directrices. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur le Conseil des jeunes ? Conseil des jeunes ou sur l'implication des jeunes ? Sur l'implication, sur tout ce que vous ressentez au travers de leur action. Après, moi, je ne suis pas très neutre du fait de travailler dans ce milieu-là, donc je vais pas être, je ne suis pas très objective, ouais, on va dire ça. Si je me place de mon côté, sans parler du travail de mairie, en tant qu'habitante jeune de Marmande, j'habite en plein centre-ville, Donc, j'aime ce côté aussi de m'impliquer au sein d'une collectivité, de participer. Donc, moi, ça me plaît. Après, voilà, je ne suis pas objective. De toutes mes copines, si je me mets de ce point de vue de ma génération, je n'ai jamais entendu parler quelqu'un de ma génération qui souhaiterait s'impliquer dans un conseil de quartier. Voilà. Après, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas assez attractif pour eux ? Est-ce que, du coup, ils pensent que ce sont des réunions qui sont longues ? Et le soir, je pense pas. Je pense que peut-être qu'il faudrait peut-être essayer de communiquer vers cette population-là. Ça mange pas de pain, comme on dit. Est-ce qu'ils prennent aussi intérêt de regarder et de s'intéresser à ça ? Voilà, l'apparition dans le journal municipal, les réseaux sociaux, ça marche beaucoup en ce moment. Il y a une possibilité de faire de la communication vers cette population-là. Et pourquoi pas, eux, de s'impliquer ou pas ? Parce qu'il y a plein de choses à faire pour la commune de Marmande. Et je pense que si les jeunes s'impliquaient plus dans les conseils de quartier, il y aurait une dynamique différente qui ne serait pas à négliger. Voilà. Mais le conseil des jeunes, je pense que ma collègue Fabienne sera plus à même d'en discuter vu que moi je m'occupe des conseils des enfants, même si c'est la même dynamique. Hein. Le conseil des jeunes, c'est très bien. Enfin, là, ils ont été élus il n'y a pas très longtemps. Mais déjà, du fait de leur petit mandat, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'idées. Ils souhaitent s'impliquer. Après, à nous aussi, en tant que collectivité, de leur donner les moyens de s'exprimer. Donc après, enfin, je pense qu'on leur donne les moyens. Là, ils sont en train de préparer le festidance qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Donc, je vous invite à venir, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que les jeunes s'impliquent, ils ont envie de s'impliquer de plus en plus dans une collectivité. Après, à nous de leur donner les outils pour. Voilà. Madame Roussy, votre sentiment ? On va lui donner le micro. Merci.
Bonsoir. Donc moi, je suis Fabienne Roussy. Je suis l'animatrice du conseil municipal des jeunes. Donc par rapport à l'implication des jeunes, moi, je vais dire que j'ai face à moi 25 jeunes pleinement impliqués dans la vie de leur cité, mais qui ne vont pas avoir les mêmes centres d'intérêt qu'un conseil de quartier, parce que j'ai aussi la chance de travailler avec des conseils de quartier. Et donc, les jeunes vont avoir envie de développer le lien social, développer des structures sportives et ou culturelles, alors que sur un conseil de quartier, au-delà de la commission lien social, on va se retrouver sur des problématiques du quotidien, des problématiques de travaux, et souvent aussi de devant de porte. Les jeunes ne sont pas là-dedans. Ils n'ont pas cette vision quotidienne de la citoyenneté. Ils vont être sur des créations, de grosses animations, la dernière idée, c'est refaire le skatepark, parce que aujourd'hui, c'est un lieu, un pôle attractif pour eux, et un pôle de vie. Au-delà de l'espace de loisirs, c'est des pôles de vie. Donc oui, la jeunesse s'implique. Elle s'implique à un autre niveau, pas forcément sur la même planète que le monde des adultes, parce qu'ils n'ont pas encore les mêmes préoccupations. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne les voyez pas. Je suis tout à fait d'accord. Les jeunes ont leur champ d'action. Et si on veut les rencontrer, il faut aller dans leur champ d'action. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est une réalité. Et moi, j'ai été très impressionné par leur implication. Et surtout, ce qui m'a énormément frappé, c'est leur politesse et leur prévenance. Et je pense qu'effectivement, plus il y aura de jeunes qui s'impliqueront dans ce genre de structure au service de leur ville, plus on aura des adultes qui seront concernés par le vivre ensemble. Ça, c'est tout à fait clair. C'est des futurs petits... Enfin, ce sont des citoyens, c'est des futurs... Pour la plupart, on les voit bientôt membres d'associations ou dirigeants d'associations. C'est des gamins qui ont déjà ce sens de vouloir s'investir pour les autres. C'est une élite. Hein. C'est, alors, et pour répondre à votre question, alors non, là, ils sont beaucoup plus jeunes. Ce sont des collégiens et des lycéens qui ont été volontaires, qui sont volontaires pour faire partie de 10 à 18 ans. Ce n'est pas la tranche d'âge que vous cibliez tout à l'heure. Non, ce ne sont pas les mêmes. Donc, si je retiens bien vos demandes, premièrement, adapter le travail des commissions et donc l'organisation des comités de quartier à chacun, au plus grand nombre, hein, parce qu'à chacun on ne pourra pas, mais au moins au plus grand nombre. Et deuxièmement, essayer de faire un peu de prosélytisme, c'est-à-dire essayer d'aller à la pêche aux participants. Mais je crois que véritablement, je pense qu'on intéressera les Marmandais à ce système quand ils verront qu'il y a de véritables... Quand il y aura le concret, quand leurs propositions auront une vie concrète. Voilà. Je crois que c'est véritablement le seul argument qu'on pourra leur présenter, et c'est le seul argument qu'ils recevront. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon, depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un budget prévisionnel par quartier. On est tout à fait d'accord. Mais comment vous envisagez l'équilibre de ce budget par tête d'habitant, par kilomètre de rue, par... Alors, je disais tout à l'heure justement qu'il y aura une grille à inventer. Hein. Il y a déjà... On va essayer de voir globalement... Comment la commune déjà investit dans ces quartiers. Donc on va essayer d'avoir des pistes de réflexion. Et ensuite, effectivement, il y aura certainement une pondération par rapport au nombre d'habitants, par rapport aux besoins. Il y a des quartiers qui ont été un peu plus... sur lesquels on s'est un peu plus concentré que sur d'autres. On le voit à l'état des routes. Donc tout ça, il faudra l'intégrer. Alors là, il faudra y réfléchir sérieusement. Mais en tout état de cause, ce n'est pas pour l'année prochaine. Parce qu'il faut d'abord qu'on mette en place cette structure. À mon avis, 2015, on mettra en place les outils qui nous permettront en 2016 de vous allouer les budgets. Je ne pense pas que ça puisse se faire en 2015. Je parle sous couvert de la directrice générale des services qui est là. Mais si je lui annonce demain qu'il va falloir réfléchir à vous distribuer des enveloppes, je crois que je vais me faire secouer les puces. Donc on va attendre une année. Le temps de bien mettre la structure en place
Et ensuite, on réfléchira effectivement, on mettra en application ce système de sectorisation budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Partout. Elle n'est plus à l'école. Hein. Monsieur. Donc, je me présente. Moi, je suis Yves Lolibou. Je suis représentant du quartier de Beissac, donc le Coteau Nord, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je vais juste mettre en évidence quelques écueils qui apparaissent et qui apparaissent aussi au sein des comités de quartier et qui apparaissent également, je dirais, par rapport... On n'est pas à Athènes, désolé, mais je voudrais bien que tout le monde participe et tout le monde soit présent. Mais moi, tous les ans, je suis au conseil municipal, principalement au conseil municipal du budget. On est, allez, 5 spectateurs, 6 spectateurs. Les comités de quartier, il y a eu... alors. C'était votre prédécesseur, donc il avait une approche qui était peut-être particulière. Mais nous avons eu au comité de quartier des présentations, des investissements qui étaient faits par quartier et pourquoi tel quartier était priorisé par rapport à tel autre. Les problématiques, regardons ce qui s'est passé à l'entrée de la rue Charles de Gaulle. Un trou qui se déclare en quelques secondes, c'est peut-être 300 000 euros, 400 000 euros qui étaient normalement consacrés... 19 000. Non, mais je ne sais pas... Mais cette somme que vous devez engager par rapport, par exemple, à une équipe urgente, eh bien, vous ne l'avez plus pour autre chose. Et donc, effectivement, la grosse difficulté, c'est la priorisation des actions par rapport au quartier. Vous avez des quartiers, effectivement, si on prend Beissac, on refait un tronçon de la route, on poursuit l'ouverture de l'avenue Fleming. C'est combien ? 500, 600, 800 000 euros, je ne sais pas combien. Mais ces priorisations-là, si on ne tient compte que de l'historique des dépenses... C'est vrai qu'on va avoir des disparités entre quartiers. Donc après, il va falloir pondérer tout ça. Je crois que par rapport aux élections aussi, peut-être que effectivement, la première année, il y aura peut-être que 8 ou 10% de participation aux élections. Mais effectivement, on ne va pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, l'exemple que vous souhaitez donner, moi j'y adhère en tant que représentant de quartier, je souhaite que ces comités de quartier vivent. Parce qu'on arrive à résoudre, et moi j'ai fait partie aussi de l'association des riverains de la Rocade quand la Rocade était en constitution, c'est vrai que toutes les interventions, les réunions qu'on a faites, les présentations qui ont été faites, il y avait 150 ou 200 personnes qui étaient présentes, il y avait les intervenants des services techniques ou de la mairie, le conseil général, les gens sont partie prenante parce que c'est la vie de leur quartier. Et je crois que ça c'est important que... Ça se perpétue. Alors, même s'il n'y a que 8 ou 10%, eh bien, construisons avec ces 8 ou 10%, qu'ils aient 70 ans ou qu'ils aient 30 ans, montrons effectivement, au travers ces comités de quartier et au travers cette commission extra-municipale, qu'il y a des choses qui se font en tenant compte des avis dans les quartiers et espérons que cet exemple-là suscite des vocations et montre effectivement de l'intérêt pour nos concitoyens, pour cette action que vous mettez en place et que je vous en remercie d'ailleurs et que vous perpétuez au travers des comités de quartier donc tels qu'ils existent aujourd'hui. Bien, merci. Deux choses très 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 importantes dans ce que vous venez de dire. Premièrement, effectivement, très peu de personnes assistent au conseil municipal. Très peu. Alors, c'est aussi lié à la configuration de la salle. Parce qu'il y a quoi ? Il y a 20-30 places, pas plus. Ouais. Et c'est pour cela, vous avez remarqué, il y a des caméras. Et c'est pour cela aussi que nous perpétuons cet outil qui est la retransmission vidéo de tout ce que nous faisons d'importance vis-à-vis de la population au travers d'Internet. C'est le pari de la transparence. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient venir, qui ne peuvent pas tout simplement, comme vous l'avez dit, les enfants à garder, le travail le soir, beaucoup de choses, ne serait-ce que la fatigue. Voilà. Eh bien, savez-vous combien de personnes se connectent pour regarder les conseils municipaux sur Internet ? Entre 400 et 800 personnes. On ne pourrait jamais les accueillir, ces 400 à 800 personnes. Là, ça leur permet calmement, chez eux, de regarder le conseil municipal,
de voir les débats, de voir les dossiers importants, puisque il est caché par là, mais le technicien vous fait en plus du chapitrage. C'est-à-dire que si vous, il y a un dossier spécifique qui vous intéresse, vous allez directement sur le chapitre, et donc vous trouverez le débat qui concerne votre dossier. Ça, nous allons le perpétuer. Et d'ailleurs, il y a un marché qui est lancé. Ça nous coûte assez cher. Mais je crois que la transparence, c'est véritablement indispensable dans une démocratie moderne. C'est tout à fait indispensable. Il faut que tout le monde soit informé de tout ce qui se passe. Donc là, c'est un pari qui nous coûte, mais c'est un pari que nous mènerons à terme. Concernant cette organisation... Là aussi, je dirais, c'est un pari. Et quoi qu'il en soit, vous avez raison, nous irons jusqu'au bout. Mais pour tout vous dire, au fond de moi-même, je ne suis pas très inquiet. Lorsque je marche beaucoup en ville, on est encore sur une dynamique post-électorale, etc., où on m'aborde, bravo, truc, machin. Bon, très bien. Et puis on me dit, n'oubliez pas de me faire prévenir quand vous allez commencer vos comités de quartier. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors les gens ne peuvent pas forcément venir à des grandes réunions comme ça, mais ils vont s'impliquer dans leur vie de quartier. Moi, j'en suis persuadé. Et plus ça sera simple, c'est pour ça qu'effectivement, il faut cette partie conseil de quartier qui reste très, très variable, très labile dans le temps, très adaptable à chacun. Plus ça sera aussi rigoureux au travers des représentants élus, c'est-à-dire une forme de représentativité officielle, du lien entre la commune et les citoyens, plus il y aura de résultats sur vos propositions, sur vos propres propositions dans les quartiers, et bien plus les gens participeront, et effectivement, plus cet outil deviendra pérenne. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet au bout du compte. Quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura de la participation, on continuera. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon. Parler du bulletin municipal, est-ce qu'il y aurait une lettre hebdomadaire, mensuelle peut-être, via Internet ? Alors, nous avons eu une réunion la semaine dernière au service communication. Nous avons justement décidé des outils, des supports de communication que nous allions mettre en place. Alors il y a d'abord une lettre interne à la commune qui concernera les agents, hein, qui sera gérée par les agents. Je crois qu'il faut aussi qu'ils aient leur vie participative, ça c'est très important. Et il y aura une lettre, effectivement, ce qu'on appelle une newsletter, qui sera diffusée, pour parler français, une lettre d'information régulière, qui permettra effectivement de faire passer ces informations-là. Alors le problème, c'est que tout le monde n'a pas Internet. Mais il va y avoir au travers du bulletin municipal un appel à nous informer de ce numéro, enfin de chaque boîte aux lettres, ce qui fait que nous pourrons envoyer très régulièrement toutes les informations à toute la population. J'ai demandé au service d'ailleurs de commencer tout de suite à travailler sur la mise en place technique de la plateforme, parce que le problème, c'est que les plateformes se passent par Internet, et donc il y a des règlements à faire, etc. Donc ils sont en train d'étudier tout ça. On ne peut pas envoyer simplement un chèque comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Donc on est en train d'étudier tout ça, de le mettre en place pour que très vite cette newsletter en fait, puisse paraître. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, deux questions au fond. Qui commence, qui finit ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est le moyen de chaque citoyen de savoir dans quel quartier il est et comment peut-il connaître son représentant, alors, ou son référent de quartier propre ? Alors, une fois que on va s'adresser donc au quartier actuel pour sectoriser, pour faire le choix de sectorisation donc de la ville, de la commune. Ensuite, il y aura la presse. Hein, on fera une conférence de presse et on mettra en lumière donc le découpage exact. Et bon, la plupart des gens quand même connaissent, lisent les journaux. S'il faut, on avertira aussi par la lettre d'information, par le journal municipal, etc. Donc il y aura beaucoup de canaux d'information pour informer. Et je pense que le je me
je ne me fais pas trop de soucis pour que l'information sur cette sectorisation arrive chez chaque personne. L'information arrivera. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, au-delà de la sectorisation proposée, qui chacun va avoir les problèmes devant sa porte, comme disaient certains. Il y a les commissions sécurité, animation, environnement. Bon, il y a quelques temps, j'avais fait participer à un conseil de quartier. Ce qu'il nous faudrait aussi, c'est un lien, un fil conducteur qui relie tous les quartiers avec un dynamisme sur Marmande. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Marmande. Certaines périodes de l'année, comme le marché Noël, lorsqu'on s'est battu avec notre association de parents d'élèves, on se retrouvait juste avec une cahute au sein de la place et il n'y avait rien autour. Il y a certaines villes autour qui ont un dynamisme, on pourrait s'en inspirer. Bon, dans les Landes, il y a une ville de 5000 habitants comme Agedmo, où il y a un fort dynamisme avec le sport, les jeunes. Ça va assez loin. Et je pensais aussi que par rapport à notre ville, ce qu'on pourrait faire, c'est par rapport au vivre ensemble et la solidarité intergénérationnelle, avoir un projet qui fédère toutes les générations. Pourquoi pas faire un spectacle sur la ville de Marmande qui relie toutes les générations, raconter l'histoire de Marmande, dont la plupart on en est fiers. Et on pourrait, au-delà avec la multiplicité des associations sportives que l'on a, avec la formidable Essain et Fourmilière au niveau des jeunes par rapport au conservatoire municipal, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire dans le cadre des balades marmandaises, ou toutes les animations qui sont proposées, soit sur Marmande ou à Beaupuis récemment, qu'on a vu le spectacle, on a un formidable vivier d'énergie. Peut-être qu'au sein des réunions, il y a peu de personnes qui se mobilisent, mais il y a un formidable essor et d'énergie qui repose, qui n'attend qu'on fasse appel à eux, et que le jour des manifestations est disponible et peut montrer de quoi Marmande est capable de faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Première chose, il y a énormément d'initiatives locales, il y a énormément de dynamisme un peu partout dans la ville, mais qui est totalement dispersé. Et pour la première partie de votre intervention, quel organisme pourrait fédérer tout ça? C'est la commission extra-municipale. C'est elle qui pourra fédérer tous les quartiers et qui pourra justement donner des axes de travail. Quand je dis donner des axes de travail, ça ne veut pas dire phosphorer pendant 3 mois pour trouver une solution à quelque chose. Ça veut peut-être dire mettre en place la cavalcade et articuler chaque quartier pour qu'il ait son char pour la cavalcade. Quelque chose de concret. Et je pense qu'effectivement, là encore, comme pour les conseils de quartier, s'il y a un lien et dont on voit l'application, c'est tout gagné. Tout le monde voudra avoir son lien dans son domaine, essayer de convaincre pour monter un projet et pour que ce projet soit repris par la commission extra-municipale. Donc je pense que là, on est toujours dans la même problématique avec un diagnostic. Ce diagnostic, c'est qu'il y a énormément de volonté partout et une obligation de résultat. Et c'est cette obligation de résultat qui fera que les gens participeront, de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Merci. Encore une question concrète, je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'arrive à Marmande, je suis Lot-et-Garonnaise, mais nouvelle marmandaise. On parle d'associations. Où est-ce que je les trouve? Parce que j'ai téléphoné à la mairie. Oui. Je ne les trouve pas sur le site internet de la mairie. Oui. J'ai téléphoné à la mairie, on m'a dit, allez à l'office de tourisme. Mais vous savez, il y en a tellement. Il va falloir que vous disiez ce qui vous intéresse pour qu'elle trie et qu'elle vous imprime ce qui vous intéresse. Alors que c'était plutôt la démarche inverse. J'arrivais dans une ville où je me disais, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? J'ai envie de participer, j'ai envie de faire du sport, de participer à des activités culturelles. Il n'y a aucune visibilité. Je suis dans un quartier, donc je rebondis effectivement. Aujourd'hui, c'est très bien, bientôt on va avoir une nouvelle sectorisation de quartier. Mais aujourd'hui, si je veux rencontrer les représentants de quartier et savoir dans quel quartier je me situe, où est-ce que je le trouve aujourd'hui? Parce que là, j'ai des envies. Ouais. J'ai des envies. Alors, vous avez tout à fait raison sur votre diagnostic encore. D'abord, pour répondre à la deuxième question, il faut appeler le service citoyenneté. Ils ont tous les correspondants, il n'y a pas de souci, la base est à jour. En revanche, pour ce qui concerne le site internet, toute la campagne électorale, j'en ai parlé, effectivement. Et nous avons fait une réunion, donc c'était la semaine dernière, c'est pas vieux, au service communication. Je fais le pari, encore une fois, de la transparence et de la remise brute des informations, entièrement, comme par exemple pour les vidéos.
C'est-à-dire que chacun peut se faire son idée ensuite. Le site internet va être très rapidement changé. Il va y avoir toutes les informations accessibles. Quand je dis toutes les informations, et ça c'est un sacré travail, et j'ai demandé au service de s'y atteler, on va faire de l'open data, toutes les informations, qu'elles soient urbanistiques, tous les plans de la ville, tous les grands projets, toutes les informations qui concernent l'organisation des services, toutes nos décisions, tout sera accessible pour le moindre citoyen marmandais. Et ça sera à lui de se faire ensuite son idée, de chercher son information, de savoir comment il peut l'utiliser. C'est l'open data, c'est comme ça qu'on l'appelle, et nous allons le mettre en place très rapidement dans notre ville. Voilà. Et vous pourrez trouver la moindre association qui existe sur Internet, sur le site. Mais là, on est encore sur l'ancienne configuration, donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est très très lourd à gérer. Sachez aussi que ce système, je l'ai voulu sur le territoire dans son ensemble, et c'est en train de se mettre en place. Vous avez dû le voir dans la presse, le plan numérique du territoire. C'est un projet qui est énorme, qui va voir le jour, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent. On l'a intégré dans ce qu'on appelle le programme LEADER, qui est le programme de subvention européenne sur les territoires, sur tous les territoires ruraux. Et il va y avoir 2 millions d'euros de subventions qui vont être versées par l'Europe. Et il fallait choisir des axes de travail. Nous avons retenu 2 axes de travail prioritaires. La dynamisation des centres-bourgs pour tous les villages alentours et le développement du plan numérique pour que tous les villages puissent avoir accès au numérique. C'est un énorme chantier, mais ça encore, ça fait partie de la transparence, de l'open data. Et dans tous les territoires du pays, quand on dit pays, c'est donc de Duras jusqu'à Casteljaloux et au-delà, dans toute cette zone qui regroupe 4 communautés de communes, il y aura des outils numériques performants qui permettront aux gens de chez eux soit d'avoir des loisirs, soit de travailler, soit d'organiser leur vie professionnelle ou d'entreprise sans être pénalisés par aujourd'hui cette absence de numérique. Voilà. Donc c'est un énorme projet. C'est un énorme projet qui est extrêmement important pour ce territoire. Alors, je suis navetteuse, c'est-à-dire que j'ai choisi de vivre à Marmande, mais je travaille à Bordeaux ou à Toulouse. Donc, en l'occurrence, je passe 3 à 4 heures de mon temps dans le train. Donc, il est évident que, par exemple, aujourd'hui, avec les grèves, c'était très, très difficile d'être là à 20 heures. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, les gens qui se connectent, les 400 à 800 personnes qui se connectent pour regarder le conseil municipal ne sont pas ces fameux 20, 40 ans, voire 50 ans, puisque j'en ai 50, mais qui travaillent, qui sont actifs, qui se déplacent? Donc, je pense que l'outil Internet et l'outil numérique, notamment pour mobiliser cette catégorie de cette génération, disons, les 20, 40 ans et même un petit peu au-delà, disons, les très actifs, c'est d'autant plus important que Bordeaux se prépare à accueillir une très grosse vague de population dans les 3 à 5 ans, qu'une grosse partie de cette population qui descendra de la région parisienne ne pourra pas se loger à Bordeaux. Donc Marmande, Langon, Marmande, Agen vont voir arriver de nouveaux habitants très urbanisés et qui vont aussi passer beaucoup de temps dans les transports en commun, vont faire la navette pour aller travailler à Bordeaux. Et ces gens-là auront, enfin, déjà pratiquent beaucoup Internet et auront besoin d'accéder aux informations sur Internet. Donc c'est un gros chantier, c'est bien que vous l'ayez choisi. Alors, pour finir sur ce sujet-là, et puis après on repasse à la citoyenneté, pourquoi un plan numérique? D'abord, premièrement, parce que l'avenir ne peut se concevoir qu'à travers le numérique. Il n'y a plus le choix aujourd'hui, il nous est imposé. Et si nous ne prenons pas ce virage, nous allons rester en arrière. Deuxièmement, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il va y avoir des afflux de population vers le sud de la France. Si nous voulons un minimum en bénéficier, il faut que ce soit raisonné. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il faut que ce soit raisonné. Mais si nous voulons avoir toutes les populations, c'est-à-dire également des cadres, les cadres qui quittent des zones extrêmement numérisées ne vont pas venir avec leur famille s'ils sont dans une zone sous-numérisée. Ça, c'est clair. Toutes les entreprises du territoire nous l'ont bien signifié pendant la campagne électorale, quand nous les avons rencontrées. Ils ont du mal à faire venir les cadres. Ce ne sont pas les postes de travail qui ne sont pas intéressants. C'est simplement que l'environnement n'est pas attractif pour les familles. Et donc, nous avons été mis face à cette exigence
il est important de structurer le territoire sur le plan numérique, parce que sinon, nous allons rater cette économie qui aujourd'hui, je vous le signale quand même, enfin vous le savez, mais je vous signale que les plus grandes entreprises mondiales sont des entreprises numériques aujourd'hui. Hein, ce n'est pas des entreprises industrielles. Voilà. Donc il ne faut surtout pas rater ce coche-là. Et c'est pour ça que tout de suite, on a mis en place ce plan. Et j'ai de grands espoirs pour qu'il porte ses fruits très vite et très fort. Parce qu'en plus, il amène des besoins de formation, etc. Donc tous les secteurs d'activité vont pouvoir en bénéficier. Allez, on va revenir, parce que là, j'en aurai pour des heures. On va revenir à la citoyenneté. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la citoyenneté? Donc, pour cette partie-là, toutes les informations seront très bientôt disponibles sur le site internet de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va pas passer... Pardon, une dernière question. Le micro arrive. Une dernière question par rapport aux dernières élections de quelque niveau que ce soit. Quel pourrait être le projet au niveau de la mairie pour redonner goût à la politique et à la citoyenneté par rapport à sa population? Parce que vu l'absentéisme qu'on a au niveau des urnes, sans faire de prosélytisme pour tel ou tel parti, ça serait... Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre le politique et la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner goût à la citoyenneté et à la démocratie? Alors, je crois qu'il faut rester les pieds sur terre, déjà. Pour ceux qui me connaissent, ils vont sourire. Je ne suis pas de ceux qui mettent la poussière sous les tapis. Moi, je crois que tous les sujets doivent être abordés. Tous. Il ne faut surtout pas cacher les sujets. Il ne faut surtout pas dire « Oh, ça, c'est pas bien, on ne va pas en parler, c'est pas bien. Ça ne fait pas bien d'en parler. » Parce que ça... Ça veut dire que d'autres vont s'en emparer. Et ça veut dire qu'on fait monter des idées qui ne correspondent plus au vivre ensemble. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui de parler franchement de tout. Moi, j'ai aucune espèce de gêne à parler d'immigration, à parler d'insertion, à parler de communautarisme, à parler... De certains avantages qu'on pourrait accorder sur le plan religieux ou sur le plan des, par exemple, des cimetières. Je crois qu'il faut parler de tout. Je crois qu'il faut parler clairement. Parce que s'abriter derrière le politiquement correct, ça veut dire faire monter des rancœurs et donc des rivalités et donc un esprit qui n'est plus du tout celui du vivre ensemble. Donc je crois que véritablement, abordons tous les sujets. Et surtout, ayant des résultats dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'est par ces deux axes-là que nous pourrons réintéresser les gens à la politique. Voilà. Alors, je vous le disais, on va pas passer au vote, hein, il n'y a pas de vote, nous ne sommes pas une instance officielle, nous n'avons aucune légitimité pour ça. Je retiens que, globalement, ce plan vous plaît. Ce plan, je pense, peut être essayé. Il aura peut-être des travers, il aura peut-être des écueils, je n'en sais rien, on verra. On verra à l'utilisation. Donc nous allons travailler sur cette base-là. Je retiens aussi que nous allons très vite nous adresser aux conseils existants pour savoir comment on redéfinit les quartiers. Alors est-ce qu'il faut se calquer sur les bureaux de vote? Je ne pense pas. Plutôt sur les quartiers historiques, tout en redécoupant donc, cette première couronne qui est très difficile à redécouper. On verra bien à combien de quartiers ça nous amène. Et je note aussi que globalement, l'échéancier ne pose pas de problème. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce que, globalement, est-ce que c'est ce que vous ressentez? Oui? Oui. Allez, une dernière question. Ça arrive. C'est que l'avis d'un citoyen, d'ailleurs je reconnais mon voisin, je vois qu'on partage pas mal de choses, même si on a l'habitude uniquement de se saluer en marchant ou en voiture. Dorénavant, on s'arrêtera pour discuter ensemble. Et serait-il possible, monsieur le maire, d'inverser le calendrier par rapport à l'élection des élus, des représentants de quartier, de créer cet espace d'échange entre les citoyens et laisser-les décider eux-mêmes, faire connaissance eux-mêmes, se fédérer autour de principes
qui vont les animer et qu'à ce moment-là, on fait l'élection, mais que l'élection soit portée par les citoyens, par les habitants de quartier, que plutôt de faire une élection représentative descendante où les gens vont se proposer. Je vais sincèrement, j'aime ma ville, j'aime mon quartier, je me verrais très gêné de faire une profession de foi et de présenter ma photo sur le journal. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de débattre avec mes voisins et que l'idée que je sois plutôt représentative, que ma représentativité soit engagée envers mes voisins plutôt qu'envers mes élus. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est une demande, tout simplement, mais je pense que je suis le seul à la demander, donc il est minoritaire. Non, mais elle peut être intéressante. Elle peut être intéressante et peut-être que nous allons pouvoir... On va y réfléchir. Je vais y réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. C'est l'ouverture à tout le monde pour débattre. Donc, on va y réfléchir. On va voir si on peut pas, faire quelque chose de plus. Il y aura la commission extra-municipale avec donc les orientations à suivre, les axes à définir. Mais peut-être que les états généraux eux-mêmes devront être totalement ouverts. On va voir ça. Effectivement, peut-être que ça peut amener quelque chose d'intéressant. Bien, on part sur cette base-là. Vous allez être tenu au courant de tout ce qui se passe très rapidement. Allez, une dernière intervention. La toute dernière des dernières. Le comité de quartier se réunit. Vous faites une réunion globale des comités de quartier pour la découpe. On peut faire une réunion globale, je crois que ça sera plus simple. Il me semble, oui, parce que... Ça économisera du temps et de l'énergie. Bah, d'une part, et puis deuxièmement, les échanges seront plus fructueux parce que si nous, on décide de s'arrêter au 15 de la rue du Béda ou du 35 de l'avenue des Villas ou de... On part là-dessus. Voyez, je pense que ça serait mieux d'avoir tous les comités de quartier, voir s'il y a des gens qui veulent s'y associer comme monsieur, par exemple. C'est le moment peut-être de les amener pour qu'ils disent un petit peu comment ils voient leur quartier, jusqu'où est leur limite. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, vous me donnez une bonne idée. On va fixer que... Les états généraux de la citoyenneté, c'est l'ensemble des comités de quartier, tout simplement. Ça sera l'Assemblée générale de la citoyenneté. Hein ? Voilà, on va faire comme ça. Donc, réunion des états généraux de la citoyenneté fin du mois. Voilà, merci à tout le monde.